arrivé à Paris, c'est comme un stockfish. Arriver avant la nuit puisque on aurait dû partir en 9h30. Bon. On y va. Donc là vous êtes 4. On est 4. Ça a été très fluctuant en fait au fil du temps, j'imagine. Ben, c'est-à-dire, il y a des périodes, il y a des étapes où parfois il y a 10-12 personnes qui font l'étape avec nous. Ouais. Parfois il y en a 2-3, parfois il n'y en a pas du tout. C'est selon les lieux, selon la disponibilité déjà, la possibilité, parce qu'on marche vite aussi. Donc, c'est variable tous les jours. Il ne faut pas oublier qu'on a, on l'appelle Père Noël, hein, celui qui. Qui a le camping-car, hein, grâce à là, ce matin, avec tout le monde. On a un camping-car qui nous suit quand même, donc c'est super important. Il fait à manger, il fait tout. D'accord. Il mène les affaires, puisqu'on a des grands sacs à dos. Vous faites tout à pied, vraiment? Ouais, tout à pied. Parce que là, il y a combien de kilomètres du coup depuis? Là, on est à plus de 600, parce qu'en fait, on n'est pas venu en ligne droite, puisqu'on a essayé de trouver les ronds-points les plus actifs. Donc on est à plus de 600 km. On a calculé qu'on doit être même à 700, je pense. Ouais. On a calculé qu'on allait dépasser les 850. Celui-là qui organise aussi, c'est Rémi, quoi. Et donc on a deux personnes qui font le relais sur les ronds-points, c'est-à-dire Raymond et Manu. Qui sont sur le camping-car, qui amènent des affaires, qui achètent à manger pour le midi. La logistique. Et après, donc, on était nombreux au départ, au fur et à mesure, et il y a des casques. Il y a des blessures. Ouais, il y a des blessures, le froid, le fatigue. C'est pas la meilleure période. Non, la révolution au mois de mai. Elle aurait été meilleure. Mais bon. C'est sûr. Donc l'arrivée, elle est prévue quand? Elle est prévue le 20 janvier à Paris. D'accord. Parce que j'ai vu, moi j'ai retrouvé un article qui date vraiment pas longtemps après votre départ et c'était 19 janvier que vous annoncez. Donc oui, on est dans les dates. Mais en fait, on a réfléchi le long de la route, vu que notre démarche est totalement pacifique. Laisser tranquille l'acte qui sera là, et nous rentrer le dimanche avec, parce qu'en fait il y a des colonnes qui nous rejoignent de partout en France. D'accord. Ils sont partis le 2 janvier, il y en a même une colonne qui est partie de Barcelone. D'accord. Et donc une colonne Barcelone, il y a Toulouse, il y a Brest, Rennes, Grenoble, Marseille. Ah ouais. Et en fait on va être descendre. Eux ne font pas toute la route à pied puisqu'ils n'ont pas le temps. Il faut une partie en voiture, une partie à pied. Et ils nous rejoignent tous, ils vont nous rejoindre le 19 et on sera tous place de la Bastille le 20 janvier. Voilà. Place de la Bastille. Le 20 janvier. Et on sera reçu le 21 à l'Assemblée nationale. C'est sûr, ça s'accepte? Ben c'est ce que sont en train de travailler les personnes qui s'occupent de la logistique, parce qu'on a pas mal de gens qui sont avec nous. On vous demande d'être reçu à l'Assemblée nationale. Le but, c'est porter la pétition de l'association Article 3. Donc ce sont eux les pionniers en matière de RIC, donc le RIC, référendum d'initiative citoyenne en toute matière, et donc c'est porter les signatures de la pétition Article 3. Ouais. On est les marcheurs de la marche nationale pour le RIC, les Gilets jaunes. Nous sommes partis d'Arles le 16 décembre pour rejoindre l'Assemblée nationale, rejoindre Paris le 20 janvier, l'Assemblée nationale le 21 janvier,
pour porter le message de ce référendum d'initiative citoyenne en toute matière proposé par l'association Article 3 et qui va regrouper des centaines de milliers de signatures pour passer à une autre étape pour que le peuple puisse retrouver sa souveraineté. Donc on marche de rond-point en rond-point. Là aujourd'hui on est au rond-point de l'Europe, on a été accueillis par nos frères gilets jaunes, notamment par Ahmed qui coordine un peu ce groupe et où ils sont là depuis le 17 novembre. Et donc on avance tous les jours de 25, 30, 35 km en faisant le lien entre les gilets jaunes pour montrer qu'au-delà des images que donnent les médias nationaux, il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont encore présents, c'est-à-dire la plupart sont toujours là, toujours encore plus déterminés pour montrer qu'on ne lâchera rien, qu'on veut changer ce système parce que ce système est d'une injustice totale, il nous amène au bord d'un gouffre et on veut maintenant, après 40 ans de trahison des politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, retrouver notre souveraineté. Voilà, ça c'est le but de cette marche, une marche totalement pacifique, une marche entamée par une dizaine de marcheurs à Arles il y a maintenant je ne sais plus combien de jours, le 16 décembre, et où on récupère des gens comme Laurent qui était en Ardèche, comme Angélique ou comme Sébastien qu'on a récupéré à Vallon, Bourguignon, et on va aller jusqu'à Paris pour montrer que le peuple est pacifique, que le peuple n'en peut plus et que le peuple veut une autre réponse pour son futur. On ne veut pas que nos enfants se retrouvent comme aujourd'hui à vivre de manière indigne, à ne plus pouvoir remplir le frigo le 15 du mois, même si vous travaillez. On veut une autre société, on veut un autre modèle, on veut qu'enfin le peuple puisse diriger son destin.